Good morning, les idées et les idées sont aujourd'hui. Le Nishmat Avram Chayin Orber, Ben Fortuné Mazal, Rachamim Ben Rosa, Yedida Batester, Eliou Avanish. Si vous souhaitez vous aider dans une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Echin, Perikvav, Mishnah Dalet. Haya min echad merube ou min echad muat. En omrim lo limkor min amerube, velikach lo min amuat. Ela notnim lo shne min amerube, vechol sheyesh lo min amuat. Hamakdish et nechasav ma'alin lo et tfilav. On continue le sujet de celui qui va faire un vœu de RR de donner une valeur au Beth Amikdash. Pour rappel, la Torah a explicité des barèmes pour... Tu as dit que tu allais donner la valeur de telle personne, on va calculer selon son âge, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, et on a un prix fixe. Lorsque tu n'as pas les moyens de payer, la Torah a dit « Veim machu mer kecha », alors il faudra partir devant le Kohen, et le Kohen il va lui faire une estimation pour voir combien est-ce qu'il peut payer. Pour pouvoir faire cette remise-là, alors il y a tout un procédé. On va l'amener, on va calculer tous ses biens et on va faire un tri dans tous ces biens qu'il a. Évidemment, ça, on va te le laisser, ça, on va te le laisser. Les biens de sa femme, ils sont déjà à elle. Oui, les dettes envers sa femme, parce qu'il doit la nourrir aussi. Alors là, on va le supprimer. C'est ce qu'on a, tout ce qu'on a connu dans notre Mishnah, dans la Mishnah précédente. Dans notre Mishnah, on va apporter une précision super importante. On a parlé dans la Mishnah précédente des kleoumanout, des outils de travail. Un artisan, on avait parlé par exemple d'un menuisier, il a besoin d'une scie, il a besoin d'une ponceuse. Eh bien, on lui laissera donc deux outils de chaque espèce. Ça, c'était ce qu'on avait vu dans la Mishnah. Question maintenant. On a une personne qui n'a pas deux scies et deux ponceuses. Il a trois ponceuses et une scie. Qu'est-ce qu'on fera? Alors, de manière générale, on va dire, bah, qu'est-ce qui est compliqué? La scie, on a dit trois ponceuses et une scie, et bien la scie on lui laisse, il en a une. Ponceuse, on a dit qu'on en donne deux. Donc on prendra une seule ponceuse. Bonne réponse, c'est vrai, mais il faut quand même préciser qu'il y a un grand fridouche dans ça. Parce qu'en réalité, on va parler d'une personne qui avait en fait trois ponceuses et une scie. C'est vrai qu'on a besoin de deux outils de travail, avec ça on tourne. Mais lui, il s'est débrouillé pour tourner avec une seule scie. Mais en réalité, vous savez pourquoi il avait une seule scie? Parce que du fait qu'il avait quand même trois ponceuses, des fois, il aidait le menuisier, le voisin, et il s'échangeait entre eux. Lorsqu'il avait besoin d'une deuxième scie, alors il partait, il prenait la scie. Pourquoi le voisin, il était tellement gentil? Parce que lui, il savait très bien qu'il pouvait aussi facilement avoir une ponceuse chez lui. Il y a aussi cette réalité qui existe, que finalement, tu as peut-être des biens que tu n'utilises pas, que tu peux t'en passer, mais que l'utilisation que tu as, c'est de pouvoir les troquer contre d'autres, que tu les utilises momentanément ou les échanger. De ce fait, on aurait pu croire qu'on va lui laisser les trois ponceuses, parce que ça a un statut de... Il utilise en guise de scie la troisième, c'est-à-dire parce qu'il échange pour obtenir une scie à la place. Et la Mishnah me dit non, malgré tout, on est strict. C'est ce que la Mishnah m'enseigne dans la première partie. Donc, Haya min echad merube ou min echad muat. S'il y avait une espèce qui était plus et une espèce qui était moins, on parle des espèces, des sortes d'outils qu'il utilise, donc il en avait trois de l'un et un de l'autre. En omrim lo limkor min amerube ou likar lo min amuat. On ne lui dira pas qu'on va te laisser le troisième pour que tu le vendes et que tu puisses ensuite aller acheter l'autre pour compléter ce que tu n'avais que en moite, que en quantité restreinte. Elle a donc nim lochne minin minam erubé, mais on lui donnera les deux outils de minam erubé, de celui qui l'a plein, deux parmi les trois donc. Vechol sheyesh lo minam moite et de l'espèce où tu n'en as pas beaucoup, on te laissera tout ce que tu as, donc un seul, et puis tant pis, tu le resteras sans, d'accord? Comme ça, le Bartholomé nous a expliqué la Mishnah, vous n'avez qu'à lire. Et fin de la Mishnah, maintenant on a un autre sujet. Hamakdish et nechassav ma'alinlo et tfilav. C'est compliqué à traduire littéralement, je vous propose deux lectures directement, je vous explique en fait. Une ce sera Rashi, l'autre ce sera le Rambam. Hamakdish et nechassav, celui qui va sanctifier tous ses biens. Ma'alin lo et tfilav. Selon Rashi, ça se traduit qu'on fera une estimation de cette filine. Selon le Rambam, ça se traduit qu'il devra aussi donner cette filine. Et je m'explique, cette fois-ci d'abord, on va rentrer dans le contexte de c'est quoi le makdish. Qu'est-ce qu'il a de différent de celui qui fait un RR? Lorsque j'ai dit que j'allais donner la valeur de Réhouven, parce que j'étais content de l'avoir retrouvé, que Baruch Hashem était sauvé, j'ai dit que j'allais donner la valeur de Réhouven, j'ai dit que j'allais donner son RR. Bon, alors le RR, c'est une valeur fixe, j'ai jamais dit que j'allais devenir pauvre et me,
au point où j'allais étouffer à cause de cette dette que j'ai prise sur moi. Donc, du coup, on va, la Mishnah, la Torah l'a précisé que tu lui déduiras tout ce qu'il y a de vital, tu le supprimeras, tu l'excluras, et tu calculeras selon ce qui reste. Chose qui n'est pas avec celui qui est Makdish et Nechassav. Makdish et Nechassav, on parle d'une personne qu'il a été sauvé. Il a dit, Hachem, je vais tout donner, tous mes biens. Parce que grâce à toi, Ani Chashuv Kemet, tu m'as sauvé la vie, je vais tout te donner. Donc il a été Makdish et Nechassav. Il a sanctifié tous ses biens. Alors là, on va être beaucoup plus strict. D'accord? Parce que là, on va moins te laisser de choses. La Mishnah ne nous précise pas tellement qu'est-ce qu'on lui laissera, qu'est-ce qu'on ne lui laissera pas. Apparemment, il devra tout donner. Il n'y aura plus du tout. Je comprends, je ne suis pas sûr de mon coup, mais je comprends qu'il n'y aura plus. On ne lui fera plus du tout de sidour. On lui arrangera, on lui fera plus d'arrangement. T'as dit que tu donnes tout. Tout ce que tu as comme bien, toi. Apparemment. Mais en tout cas, par rapport à cette filine, alors. Là, sur ça, il y a une petite différence entre Rashi et le Rambam. Selon Rashi, alors là, ça devient plus délicat. Parce que tu as dit que tu allais tout donner, donc tu vas tout donner. Mais tes tefilines, tu ne peux pas t'en passer. Comment on va faire sans tefilines? Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va estimer la valeur des tefilines. C'est ça, on va faire un ilouï des tefilines, on va calculer l'estime, on va estimer les tefilines, combien est-ce qu'ils valent. Et puis ensuite, tu vas aller voir ton frère, ton cousin, tu vas emprunter de l'argent pour le prix des tefilines, tu le donnes au Gizbar et tu auras une dette avec le cousin. Comme ça, le Bartanoï explique. Alors Bartanoï, il dit rien. Tout ça, c'est dans le Tosotium Tov et dans le Tiferet Israël. Et ça, c'est selon Rashi. Maintenant, selon le Rambam, alors non, Marie et Tfilan, la Mishnah est venue insister en me disant, sache que tu vas même aussi lui faire une saisie de ses tefilines, tout simplement, rien de plus. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov. Salam.